Nos belles couleurs par Karen Katz. Je m'appelle Léna et j'ai 7 ans. Je suis de la couleur de la cannelle. Maman dit qu'elle pourrait me manger toute crue. Ma maman est de la couleur du pain perdu. C'est une artiste. Aujourd'hui, maman m'apprend à mélanger les couleurs. Elle dit que si je mélange de la peinture rouge, jaune, noire et blanche avec les bonnes proportions, j'obtiendrai le bon marron pour faire un dessin de moi. Le bon marron? Mais maman, du marron, c'est du marron, je lui dis. Non, 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 répond maman. Il y a beaucoup de différentes teintes de marron. Viens faire un tour et tu verras. Nous allons à l'aire de jeu où l'on rencontre ma copine Sonia. Sonia est brun jaune, dit maman. Comme le beurre de cacahuète, je lui dis. Mon préféré. Isabella est marron chocolat, comme les gâteaux qu'on a eus à son anniversaire. Lucie a une peau de pêche toute bronzée. Ma meilleure amie, Jojin, vit juste à côté de l'aire de jeu. Jojin est de la couleur du miel. Deux rues plus loin, on rencontre mon cousin Kyle. Kyle a une peau brun-rouge, un peu comme les feuilles en automne. Carlos et Rosita ont amené leur chiot au parc. Carlos est marron clair comme du chocolat au lait et la peau de Rosita est comme le caramel. Lorsque nous passons à côté de la pizzeria, maman et moi voyons Monsieur Pellegrino en train de faire sauter une pizza tout en haut dans les airs. Il est de la couleur de la pâte à pizza, un brun doré. Ma babysitter Candy ressemble à un beau bijou, bronze et ambre. Waouh, elle est comme une princesse. Maman et moi marchons jusqu'au parc pour manger notre déjeuner. Regarde les jambes de tout le monde, maman. Regarde toutes ces couleurs. Après le repas, on va au magasin préféré de maman. C'est là que Monsieur Cachemire vend plein de différentes épices. Il est de la couleur du gingembre et de la poudre de chili. Tout en haut de la rue, il y a la laverie automatique de ma tante Cathy. Tante Cathy est couleur fauve, comme la noix de coco et les bonbons au caramel. Après notre balade, mes amis viennent à la maison. On prend nos serviettes de bain pour aller sur le toit et on s'allonge face au soleil. Là, je repense à toutes les personnes que j'ai vues aujourd'hui. Sonia, Isabella, Lucie, Jojin et Kyle, Carlos et Rosita, Monsieur Pellegrino et Candy, Monsieur Cachemire et ma tante Cathy. Chacun d'entre eux a une belle couleur. Quand mes amis s'en vont, je redescends. Je suis contente de ressortir mes peintures. Jaune, rouge, noir et blanc. Je pense à toutes les jolies couleurs que je vais faire et je dis leurs noms à haute voix. Cannelle, chocolat, miel, café au lait, caramel. Ça a l'air délicieux. Et enfin, mes dessins sont prêts. J'ai peint tout le monde. Regarde maman, nos belles couleurs.